Neuvième partie, Komombo, l'accès à la liberté. Les Égyptiens croyaient que la réalité se révélait à travers les forces créatives fondamentales d'un dieu unique. Ils nommaient les divinités Néter. Le monde physique était dirigé par le pharaon qui représentait le degré de conscience atteint par l'homme durant son règne. Le pharaon était l'incarnation du Kareal, un même esprit qui évoluait en se réincarnant d'un pharaon à l'autre. Ce qui faisait de lui une divinité intermédiaire entre l'homme et Dieu, chargée du maintien de l'ordre dans le monde physique égyptien. Son univers spirituel était guidé par le Hiérophant, grand prêtre de l'école des mystères de l'œil d'Horus, premier serviteur de Dieu, Djem-Neter-Tepi, le grand prophète. Il était symbolisé par un serpent à deux jambes avec un disque solaire sur la tête. L'image de l'éternité, de la sagesse et de la régénération physique. L'organisation sacerdotale qu'il supervisait était divisée en trois branches. La première avait en charge le contrôle de la connaissance, conduit par le prêtre le plus érudit. La seconde était chargée des arts et des rituels. La troisième était chargée de l'administration des temples. Les prêtres de la connaissance étaient des professeurs chargés de préparer les successeurs de leur caste. Ils transmettaient les vérités héritées des origines de l'école des mystères, c'est-à-dire de la civilisation disparue d'Atlantis. Des vérités avérées concernant le fonctionnement de l'univers. Dans le monde égyptien, le savoir était exclusivement transmis aux initiés de l'école, qui devaient prouver par leur état d'esprit et leurs attitudes qu'ils étaient dignes de recevoir la connaissance et qu'ils n'en feraient pas mauvais usage. La révélation, c'est le verbe. On les appelait les Ri-Abet, ou prêtres de la connaissance. Ils enseignaient le langage symbolique, l'écriture, les mathématiques, l'astronomie et le contrôle des forces fondamentales. Les Kabirins, ou mesureurs du ciel, appartenaient à cette branche. Ils faisaient figurer la voûte céleste dans chacun de leurs temples, fixant par le truchement des étoiles le moment exact de leur rituel journalier, des festivités annuelles, le changement qui annonçait la fin d'une ère et le début d'une autre. La seconde branche était chargée de produire les œuvres d'art, les plans architecturaux, la construction des temples et la direction des ateliers où les initiés, aidés des artisans, façonnaient les sculptures symboliques. Ces prêtres créateurs concevaient et supervisaient les gravures qui figuraient sur les murs des temples. Ils enseignaient à faire de l'art, à la lumière de la sagesse de l'amour, à prendre plaisir à cette activité et à toujours donner le meilleur de soi-même. Ils dessinaient les symboles, outils fondamentaux des rituels, les objets et les figures symboliques. Puis, ils concevaient l'usage que l'on devait faire de ces représentations symboliques lors des moments cosmiques, tels que les solstices et les équinoxes. Ils élaboraient les rituels. Ce qui devait être perçu sur le plan sensitif dans un voyage spatial sans l'intervention de la raison.
Les actions nécessaires à créer un sentiment de sécurité entre les gens du peuple et à générer une énergie particulière entre les participants. Le rituel conférait aux prêtres de l'école de l'œil d'Horus une certaine autorité aux yeux du peuple, en utilisant la maîtrise de l'intuition de ce qu'un être humain pouvait percevoir sans prendre en considération sa préparation ou son niveau de conscience. Il concevait avec soin ce que les participants percevaient. Les sons, les mots, les odeurs qui y étaient associées telles que les encens, leur crâne rasé et leur tunique blanche, expression de la propreté, les colliers de fleurs et les bijoux en or, qui symbolisaient la relation qu'ils entretenaient avec Dieu. Ils eurent recours au rituel pour inculquer au peuple la hiérarchie et l'ordre social de la société qu'ils organisèrent. Ils utilisèrent à cet effet des outils simples, tels que la richesse de leur tenue, leur beauté, la position des participants et leur nombre. Le rituel renouait la relation entre les pouvoirs de la réalité. En haut de la hiérarchie, il y avait le Dieu unique. Venaient ensuite les Sun-Eter, les morts, les prêtres, le pharaon, son armée et le peuple. Les rites rapprochaient l'homme du sacré. D'une manière douce, ils produisaient de profondes émotions qui le poussaient à l'action. La troisième branche gérait l'activité quotidienne de tous les temples. Ils organisaient les cultures et les récoltes, la réception des marchandises, la préparation de la nourriture et le nettoyage des différents espaces d'une société communautaire. Ils s'appuyaient sur un groupe de prêtres temporaires appelés les Wab, les purs, des hommes du peuple qui, un mois par an, se mettaient au service des temples pour exécuter diverses tâches quotidiennes avant de reprendre leurs activités habituelles. Certains d'entre eux vivaient à la campagne. Ils cultivaient les terres cédées par le temple autour de ses murs extérieurs. À l'aube, ils pratiquaient les rituels de purification avant de se rendre dans le temple et poursuivre les tâches quotidiennes. D'autres vivaient dans le village situé aux alentours du temple et travaillaient le reste du temps à l'administration de l'État. Des menuisiers, des artisans et des ouvriers réparaient et agrandissaient le temple au gré de ce rythme de travail temporaire fonctionnant sur l'alternance. Ce système de rotation permettait à de nombreux membres de la société de prendre part aux rites et cultes depuis l'intérieur même du temple. Le peuple comprenait ainsi que ces travaux collectifs étaient bénéfiques pour tous. Les trois branches convergeaient dans les temples, lieux où l'ordre était organisé, le Ma'at, la recherche d'un équilibre harmonieux temporaire. C'est là que l'homme s'immergeait dans l'espace sacré en direction du cosmos, tout en capturant son mouvement permanent. Le temple était l'outil qui permettait de préserver l'ordre. Il ne s'agissait pas d'un monde destiné à sauver les âmes. L'esprit se parfaisait par lui-même. Par la réincarnation, il acquérait toujours plus d'informations et comprenait ses erreurs. L'erreur était un outil d'apprentissage. Il n'était pas nécessaire de chercher à s'en préserver. Le temple était le lieu où les deux forces fondamentales se réunissaient, la force du chaos et la force de l'ordre. Là, l'équilibre nécessaire était atteint, l'harmonie qui conduit tous les membres de la société vers l'épanouissement. Ce concept est parfaitement exprimé dans le temple de Komombo, consacré à la fois à Sobek, la force du chaos, celle qui nous entraîne vers l'erreur, et à Horus,
symbole de la conscience permanente et de la sagesse. C'est dans ce temple que les apprentis de l'école entamaient leur évolution spirituelle. Là, ils apprenaient à dépasser la peur et leurs instincts de défense, contrôler le chakra depuis sa source. Dans ce temple, on leur enseignait l'existence de la loi de la nature, des codes divins qui produisent une réaction automatique destinée à protéger la vie. Des codes indispensables quand on se trouve dans la dimension animale de l'existence, mais qu'il faut apprendre à contrôler pour accéder au niveau supérieur de l'intelligence. Celui qui se laisse gouverner par des réflexes automatiques, des réactions incontrôlées ou agressives qui nuisent à notre relation au monde, ne peut être un homme sage. Le premier niveau de la compréhension s'achevait lorsque l'homme comprenait que la vie est éternelle, que la mort n'est qu'une porte du processus de réincarnation, quand il savait contrôler ses réflexes d'agression pour défendre sa vie. Ils devaient prouver qu'ils avaient atteint cette étape en survivant à l'épreuve de la mort. Le test de la mort se déroulait dans le centre conceptuel des deux autels, comme nous le verrons ici. Ils devaient faire preuve d'audace, de sûreté et de confiance face à la perfection de tout ce qui arrive dans l'univers. Le temple de Komombo était voué à louer la dualité existant dans l'univers. Dualité qui permettait à l'homme de commettre des erreurs et de faire l'expérience de la conséquence de ses décisions pour sa propre compréhension et son évolution spirituelle. Le temple était donc consacré à deux forces opposées. L'une, représentée par Sobek, figure d'un homme à tête de crocodile, la seconde incarnée par Horus, un homme à tête de faucon. L'ignorant et le sage, l'innocent et celui qui se fourvoya tout au long de ses 700 réincarnations. Sur le Nil, à 48 km au sud du temple d'Edfou, proche de 25 degrés de latitude nord et de 34 degrés de longitude est, on découvre les ruines du temple de Komombo, anciennement nommé Paa Sobek, le domaine de Sobek, la force symbolique représentée par un crocodile. Sur ce site, pas de grandes constructions telles qu'à Edfou ou à Dendera. Le temple était protégé derrière de très hauts murs. La population se répartissait tout autour d'un fort abritant l'armée impériale où les éléphants d'Afrique s'entraînaient au combat. C'est là que depuis des temps reculés, à côté du fort disparu, il y avait un temple conçu pour honorer la polarité et la dualité de tous les éléments du monde. Durant les dynasties ptolémaïques, le temple fut reconstruit et ce sont les ruines de ce second temple qui sont parvenues jusqu'à nous. Komombo était orienté à 43,5 degrés au sud-ouest en direction de l'étoile Alpha du Centaure, une étoile de la voûte du sud qui annonce le lever du soleil à l'équinoxe d'automne. Le temple était divisé en deux parties, consacrées l'une à Sobek, l'autre à Horus, les deux extrêmes sur la voie de la perfection. Horus, conscience permanente et fin du cycle des réincarnations, fermait le chemin. Sobek, l'ignorance et l'animalité, se trouvaient au début de ce chemin. À l'avant, se trouve une cour couverte, formée des 16 colonnes en ruine d'un ancien couloir recouvert. Le peuple pouvait pénétrer jusqu'ici. Un symbole figurant sur les colonnes en autorisait l'accès, le symbole de l'oiseau, au-dessus d'un demi-cercle, louant le pharaon.
Au fond, on peut encore observer l'une des tours du mur extérieur. On peut voir, gravé dans la pierre, les deux figures symboliques opposées, ainsi que le pharaon Ptolémée V, qui commanda la reconstruction du temple. La façade principale possède deux portes d'accès symétriques au-dessus desquelles un linteau orné de sculptures laisse voir le double cercle ailé encerclé de serpents symbolisant la lumière au cœur de la dualité. Un mur à mi-hauteur, semblable à celui que l'on trouve à Edfou et à Dendera, embrasse quatre colonnes très hautes. Une cinquième colonne sépare les deux portes. Ce pylône fermait la cour ouverte qui permettait aux visiteurs d'admirer la façade intérieure depuis les deux portes symétriques. La cour du péristyle était plus petite que celle du temple d'Edfou. Dans l'ombre de ces couloirs aujourd'hui disparus, les apprentis de l'école des mystères venaient s'abriter du soleil. Sur le côté droit du temple se trouvent les ruines d'une petite chapelle consacrée à Hathor. À l'intérieur, on a conservé les restes momifiés de certains des crocodiles qui se trouvaient dans un labyrinthe de tunnels remplis d'eau situé sous le temple. Le crocodile est l'un des animaux les plus résistants. Sa peau est particulièrement dense et épaisse. On pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de métal animal. Les Égyptiens associaient cette dureté au niveau le plus élevé de la matérialisation, un niveau très éloigné de la spiritualité. C'est là que l'esprit entame son chemin de libération des limites matérielles, libération qui s'opère à mesure qu'il comprend comment fonctionne le monde. Le crocodile symbolise la vie au moment où elle surgit des eaux de l'inconscience. Il sort à la recherche de l'air, qui représente la conscience. Les Égyptiens croyaient qu'avec la première inspiration d'air, l'esprit pénétrait le corps dans lequel il s'incarnait. La longue colonne vertébrale du crocodile est le symbole de l'axe de la vie dans chaque créature vivante. La Terre elle-même possède sa propre colonne vertébrale, son axe de rotation. C'est à partir de cette colonne que les forces électromagnétiques qui génèrent la vie se déplacent, formant un champ protecteur contre les radiations solaires ultraviolettes tout autour de la planète. Ainsi, la vie peut se développer et l'évolution de la conscience devient possible. Sobek, le crocodile et Touéris, la femelle hippopotame, représentaient dans les cartes célestes les étoiles circumpolaires. Elles étaient situées sur l'axe de rotation de la Terre et brillaient des milliers de nuits durant au-dessus des pôles. Ces deux animaux vivent dans l'eau. Ils règnent dans l'obscurité, remontant occasionnellement à la surface, venant chercher l'air pour respirer. Les eaux représentaient le chaos, qui ensuite régénérait la vie. Les eaux du Nil, colonne vertébrale de l'Égypte, entraînent tout sur leur passage lors de leurs crues régulières, pour ensuite permettre le développement de la faune et de la flore. Le chaos entraîne le désordre des éléments, puis il favorise de s'organiser par le biais d'harmonie et d'affinité qui les réunit provisoirement. Désordre. Chaos, ordre, harmonie, rythme qui alterne. Cette force de la nature qui désordonne pour ensuite renouveler la vie était connue sous le nom de Sobek, l'homme à la tête de crocodile. Sobek appartient à la cour de Seth, seigneur des ténèbres.
l'énergie qui pousse l'homme vers le matérialisme et la sensualité, qui ralentit son chemin d'évolution, lui faisant prendre de mauvaises décisions, erreurs dont il tirera un enseignement. Pour les Égyptiens, ces forces n'étaient ni bonnes ni mauvaises, elles étaient neutres. Elles étaient conçues par Dieu pour permettre les erreurs et la souffrance, permettant ainsi la compréhension qui conduit l'homme à l'immortalité et à l'état de conscience permanente. Le temple symétrique était divisé en deux parties parfaitement égales. Le côté droit, orienté à l'est, était consacré à Sobek, et le côté gauche, dirigé à l'ouest, dédié à Horus, le début et la fin du chemin d'évolution de la conscience. Horus, l'homme à la tête de faucon, au-dessus duquel se trouvait un disque d'or, était le symbole de la conscience éternelle. Il représente celui qui a tout appris sur cette échelle de la réalité, un être immortel, élevé dans les hiérarchies de l'univers. Il se trouve à la fin du chemin de perfection, quand l'homme se transforme en un être reconnu. Un être illuminé qui se consacrera lui-même à d'autres missions dans l'univers. Le pharaon Ptolémée VI entama la reconstruction de l'ancien temple. Sa décoration intérieure fut achevée sous Ptolémée XII, alors que la civilisation égyptienne disparaissait. En traversant le porche des cinq colonnes intercalées par ses murs à mi-hauteur, on accède à la salle commune de Sobek et Horus, appelée la Maison de la Vie. C'est un monde symbolique, où les deux énergies opposées interagissent. Ici, les apprentis recevaient leurs enseignements et produisaient leurs arts et leurs écrits. 10 immenses colonnes, aux chapiteaux floraux, soutenaient le plus haut plafond du temple. Là, les apprentis écoutaient leur maître leur expliquer que pour avancer sur la voie de la spiritualité, ils devaient se forger une volonté inébranlable et vouloir agir de manière consciente. Les premières leçons et exercices visaient à former des hommes modérés. Une stricte discipline était nécessaire pour étudier, contrôler ses peurs, dominer ses passions. Pouvoir faire et s'abstenir est un double pouvoir. Un engagement qui allait bien au-delà de la mort était établi pour maintenir une discrétion totale, un silence absolu sur les vérités révélées. Le principe hermétique garantissait l'accès à l'information était assuré à ceux qui en étaient dignes et capables d'écouter. Il leur était révélé que lorsque la conscience et le libre arbitre n'existaient pas encore, les comportements et réactions automatiques étaient requises. La loi de la nature codifie ces réactions chez tous les animaux afin de se défendre et générer la vie. Mais celui qui est né sous la forme d'un être humain et qui désire abandonner l'animalité originelle doit prendre le contrôle et faire preuve de conscience. S'abandonner aux forces de la nature, c'est suivre le mouvement collectif. La connaissance et l'évolution s'acquièrent par un travail individuel.
Dans la pénombre de ces salles, les figures de Sobek et Horus apparaissaient dans toute leur lumière depuis leurs sanctuaires respectifs, à la vue des initiés, au début des processions durant les fêtes des solstices et des équinoxes. La décoration des murs était cérémoniale. Le pharaon est béni par Sekhmet et Horus sur le côté droit et par Isis et Thoth sur le côté gauche. Un autre mur similaire existe du côté de Sobek, mettant en valeur l'égalité entre les déités, sans rendre compte de leurs conditions morales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, lumière ou obscurité. Les forces opposantes existent pour modeler la conscience de l'homme, pour qu'il apprenne en se basant sur le résultat de ses propres décisions. Juste ensuite, nous arrivons dans un espace transversal où se trouve la salle des purifications et la salle où étaient entreposées les offrandes du côté d'Horus. Avant le lever du soleil, les prêtres se baignaient dans les eaux du puits du lac sacré du temple. Ils s'enveloppaient de la fumée des encens, mâchonnaient du natron, une sorte de sel, au cours d'un rituel quotidien de purification. Les bains purificateurs étaient répétés à midi et durant la nuit. Ils étaient tous circoncis, une coutume adoptée ensuite par les Juifs. Ils étaient toujours vêtus de lin blanc. Il leur était interdit de s'habiller de vêtements constitués de peau ou de parties d'animaux morts, comme le cuir ou la laine. Exception faite de la peau de léopard utilisée par les grands prêtres. Ils la portaient sur les épaules et tressaient leurs cheveux d'un côté du visage, comme marque de leur condition. Sur le côté gauche du temple, il y avait un puits profond, avec un escalier qui plongeait dans les eaux du Nil. C'est dans ce puits que les prêtres se purifiaient le matin. Une ouverture supérieure permettait à l'eau de remplir un petit aqueduc qui maintenait l'arrivée d'eau dans un bassin peu profond sur la gauche du temple où s'ébattaient les crocodiles de Sobek. Ce puits servait aussi de nilomètre. Ces marches servirent durant des années à mesurer le niveau d'eau de la rivière et prévoir ainsi les inondations. Sur les murs de Komombo, on peut voir les traces des festivals annuels qui se tenaient dans tous les temples d'Égypte. Les processions rituelles qui conduisaient les figures symboliques par la rivière d'un temple à l'autre, pendant que le peuple portant des colliers de fleurs chantait et dansait. Nous découvrons maintenant le passage à escalier qui conduit sur le toit du temple. Son dessin ressemble à ceux des temples de Dendera et d'Edfou. D'un côté, un escalier en colimaçon, et de l'autre côté, dans le mur, l'escalier droit. De là,
On atteint l'antichambre des deux sanctuaires qui possèdent une salle de chaque côté où l'on conservait les barques d'or de Sobek et d'Horus, utilisées par les prêtres pour déplacer ces statues symboliques durant les processions. Là, existe un bas-relief mural où Ptolémée et sa femme, Cléopâtre, apparaissent en présence d'Horus et de Sobek. Dans cette antichambre, les offrandes du peuple étaient consacrées. On considérait alors que si on ne nourrissait pas Dieu, notre source d'énergie s'épuisait et le chaos survenait. C'était une forme de gratitude pour ce qui avait été reçu, ainsi qu'une manifestation de confiance face à ce qui pouvait arriver. Chaque jour, bière, pain, fruits et légumes, miel, huile, parfums, bougies, sel, nadrons et toiles de lin arrivaient au temple. Les prêtres les recevaient dans la salle des offrandes. Ces offrandes étaient ensuite déposées dans l'antichambre pour remercier Dieu de cette abondance. Le peuple se présentait avec une partie de la production des terres qu'il exploitait. Ces terres étaient les propriétés du temple. En échange, le temple offrait stabilité, prospérité, santé, joie, vie et ordre. Le grand prêtre purifiait les paniers de nourriture avec l'encens et avec le symbole de la vie, il marquait le transfert du pouvoir divin entre la nourriture et la source de toute vie. Quand les paniers de nourriture étaient sanctifiés, on les emportait hors de la chambre de la vie, dans la cour des péristyles, où ils étaient distribués à tous les habitants du complexe religieux. Enfin, dans la partie la plus profonde du temple, nous arrivons aux deux sanctuaires, où se trouvaient les trônes sur lesquels reposaient les figures symbolisant les deux extrêmes de la voie de la perfection. À l'aube, les rayons du soleil chassaient l'obscurité, autorisant le grand prêtre du mysticisme à ouvrir les portes du sanctuaire et à y brûler de l'encens. Il rompait les sceaux sur les portes du Naos. Il faisait ainsi apparaître le symbole divin, se couchait à ses pieds et baisait la terre qui le sustentait. À l'extérieur, dans la pénombre de la salle des apparitions, les disciples chantaient des hymnes religieux et s'enduisaient de myrrhe, huile, cannelle et huile de lin, entamant la première méditation du jour. Dans le temple, les assistants du grand prêtre préparaient le sable du sol. Ils ratissaient les marques de pied. Ils fermaient derrière eux jusqu'au matin suivant les portes qui, de l'antichambre, conduisaient au passage des escaliers. Dans le centre symbolique des forces opposées, nous retrouvons les restes d'un double mur entre les deux sanctuaires. À l'intérieur, il y avait un espace secret. À droite de cet espace se trouvait le sanctuaire de la lumière, et sur le côté gauche, le sanctuaire des ténèbres. On ne pouvait voir cet espace situé entre les deux murs depuis aucun des deux sanctuaires. Dans cet espace, rempli d'eau jusqu'à sa partie supérieure, avec accès depuis le toit du temple, les initiés devaient passer l'épreuve de la mort. Durant des mois, les initiés recevaient des informations sur les quatre peurs élémentaires. La peur de perdre, la peur d'affronter, la peur de l'abandon et la peur de la mort.
Il comprenait que la peur engendre une réaction psychosomatique, neuro-hormonale, automatique. Cette réaction se manifeste par une forme d'anxiété, une accélération du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. La raison est paralysée. La réaction commande l'attaque ou la fuite. Dans tous les cas, il s'agit de réactions automatiques incontrôlées qui produisent une perte de la paix intérieure et de l'énergie vitale. Il comprenait que la peur est le produit d'un esprit qui quitte le présent et va dans le futur, dans un temps qui n'existe pas, créer un événement imaginaire dans lequel quelque chose ou quelqu'un est perdu, ou bien un endroit où il s'agit de se confronter à quelque chose. Ils apprenaient à discipliner leur esprit de manière volontaire et consciente, à le contrôler en ayant recours à des pensées choisies avec soin. Ils apprenaient à le maintenir constamment dans le présent, lui seul permettant de décider et d'agir. Il s'entraînait à maintenir des pensées de satisfaction. Il comprenait que tout ce qui arrivait était parfait et nécessaire à leur propre progrès. Ce qui arrivait leur était destiné. Ils étudiaient la façon d'éviter les pensées négatives, d'avoir confiance en l'univers, de rester en paix et en harmonie. Jusqu'à ce que leur maître détermine que le moment était venu de démontrer ce qu'ils avaient appris et pratiqué durant des mois. Alors, une cérémonie individuelle avait lieu dans une salle découverte située sur le toit du temple, en face d'un rectangle d'eau noire au sol. Au début du jour, après le bain de purification, le disciple et son maître montaient les marches de l'escalier droit jusqu'au toit et arrivaient dans la salle ouverte des cérémonies jusqu'à ce rectangle d'eau. Son entraînement l'avait préparé à être attentif et conscient dans toutes les situations inconnues, une condition nécessaire pour plonger dans le canal labyrinthique rempli d'eau et en ressortir sans se noyer. Le temps était venu de prouver son engagement téméraire pour vaincre ou mourir. Le doute n'existait plus. Battre en retraite signifiait sombrer dans les abysses et abandonner la voie de la prêtrise. Prenant une bouffée d'air, symbole de l'esprit et de la conscience, il s'immergeait dans une sorte de tunnel vertical au mur sailli, comme dans un labyrinthe. Il nageait énergiquement jusqu'au fond, traversant l'ouverture en direction de la lumière. Il se retrouvait alors dans une citerne étroite où l'on voyait la silhouette d'un énorme crocodile qui se découpait à la lumière du jour. On peut aisément imaginer la peur produite par cette vision et le contrôle dont il fallait alors faire preuve pour garder son calme et observer autour de soi. C'était la seule façon de découvrir qu'au fond de la cuve,
il y avait une porte très sombre. Convaincu qu'il était plus prudent d'éluder la présence des crocodiles, il s'introduirait avec énergie dans le tunnel étroit. Après de nombreux efforts, et alors que le temps lui semblait une éternité, il atteindrait un tunnel vertical. Au-dessus de lui, brillait également le soleil. Maintenant, plus calme, il rejoignit la surface, ayant passé l'épreuve avec succès. Mais certains, en proie à la panique ou dans un état d'audace irrationnel, avaient émergé rapidement aux côtés du crocodile, que l'on nourrissait bien pour éviter qu'il n'attaque. Ceux-là avaient échoué dans l'épreuve. On n'accédait pas à la sortie en passant près de la bête. Il devait se soumettre à une période plus longue de méditation et d'entraînement, d'exercice respiratoire pour affronter de nouveau cette cérémonie, sachant cette fois qu'un crocodile attendait. Après les sanctuaires et leurs cuves centrales réservées aux épreuves, au-dessus d'un second couloir périmétral se trouvent 6 chapelles, disposées par groupes de 3 de chaque côté d'un espace central avec un escalier menant sur le toit du temple. Sur ces murs, on peut observer de magnifiques gravures représentant les divinités et le pharaon, incarnation de l'humanité. Dans ce couloir, on découvre la fameuse scène où l'empereur Trajan s'agenouille devant Imhotep, l'architecte de Saqqara, muni d'un ensemble d'instruments chirurgicaux, comme des forceps, des scies et des balances pharmaceutiques. Là, les malades venaient chercher une aide et un traitement à leur maladie. De nombreuses figures gravées sont un témoignage de ferveur. Des milliers de mains venaient toucher ces représentations sacrées au point d'user la roche. Sur ce mur, on découvre également une porte symbolique gravée, telle qu'elle existe dans l'esprit de tout être humain. Elle communique avec la dimension supérieure à partir d'un point central neutre, le chemin entre les deux sanctuaires, utilisé par les initiés pour accéder au degré suivant de la formation. Sur le côté gauche se trouve Sobek, accompagné d'une barre terminée par la figure d'un lion, le plus parfait des animaux. Sur la droite, Horus tient un couteau aux jambes humaines, symbole du parcours douloureux et du contrôle de chaque être humain pour atteindre la condition de maître reconnu. Entre les deux, un cantique de louange couronné par Maat, symbole de l'ordre et de l'équilibre entre ces deux forces opposées. Le matérialisme sensuel de Sobek et la spiritualité consciente d'Horus. Maat, l'ordre, soutient le ciel. Autour de lui se trouvent des figures répétées les unes au-dessus des autres, qui symbolisent le mouvement des 4 vents. Le lion, le faucon, le taureau et le serpent à tête multiple, les forces de la destinée auxquelles l'homme est assujetti. Il est curieux de constater que ces mêmes symboles furent utilisés ensuite par les chrétiens
pour représenter les quatre évangélistes. La conception symbolique de ce temple, symétriquement divisé entre la lumière et l'obscurité, laissa de nombreux enseignements. C'est là que les initiés démontraient le contrôle qu'ils avaient acquis sur la peur de mourir en passant à travers un point central situé au centre de la polarité. Cela nous montre que la réalité est le produit de nos pensées, que le contrôle conscient des instincts et des réflexes automatiques et le maintien dans le présent sont les accès aux paliers les plus élevés de l'harmonie, de la paix et du bonheur.